Comment dealer avec notre éducation d'Africaine qui immigre en Occident et arriver à matcher deux cultures, deux styles de vie? J'ai même pas réalisé que j'étais en danger. C'est ça le pire. Tu n'as pas à subir ça. Pour rien au monde, un mariage, c'est pas une fin en soi. J'ai appris à demander de l'aide. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix qui m'a amené à être aujourd'hui ici? Quelles sont toujours mes valeurs, mes principes? Où est-ce que je veux aller? La séparation, c'est dur parce qu'on espère encore que ça va marcher. Mais je l'ai fait parce que c'était devenu une question de vie ou de mort. La culture est complètement différente. Et une adaptation s'impose. On n'a pas de choix. Ma vie, ce n'est plus là-bas. Chez moi, mon chez moi actuel, c'est ici. Il y a des garçons et puis il y a des hommes. C'est ça. Il y a des filles et puis il y a des femmes. Mm-hmm. Nous, on est des femmes. Ça ne fait que commencer.